Salut! Comment on se retrouve dans cette vidéo sur Evoland 2, Lord of Shadowloop? Spéciale dédicace à Tim. Bon, j'ai déjà fait le jeu, une bonne partie du jeu, mais je vais tout oublier parce que ça fait 3 ans. Donc on va faire une nouvelle partie. On va voir. Ah voilà, level 16. 5 heures de jeu. On va faire une nouvelle partie. Attends, regardez les options, je crois que je suis en anglais. Non, si. Le partenaire en arrière. Ah, on tue, allez. C'est un mode facile. On va voir. Bonjour, G. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Déplacez-vous vers la droite. Super. Bip. Félicitations. Toujours aller vers la droite. C'est bien d'aller vers la droite. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers le... Non ! Non ! Attends, je me mets à l'envers pour aller à la droite. Voilà. Ah, c'est ma main droite qui est déplacée à gauche. Ah, regardez autour de vous. Excellent! Vous n'êtes pas handicapé! Vous ne toucherez pas les AAH! Et cette pièce, oui. La musique! La musique! La musique! Il est où, Pikachu? Non! Regardez au-delà! Découvrons de nouveaux horizons! Excellent, G! Non! Mes terribles buissons! Mes mortels ennemis! Ah, pourquoi pas? Alors, comment je... Non, pas clic. Ah! F! Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Ah! Je suis satisfait. Ah! Oh, c'est horrible! Ah, elle est moche! Ah! Mes oreilles! Non! Non, j'apprécie pas, non. Oh, on peut avancer, enfin. Oh là là! Oups! Ah bah... Oh. Ah, ok. Je suis handicapé! Je peux pas mettre... Quel con qui a mis la touche d'attaque sur F. Ouais, ça va. J'ai juste pris deux coups comme un débile. Parce que je suis handicapé avec un clavier. Nous sommes les trois sages. Mais qui es-tu donc? Je suis Dumbledore. Ah, je suis Gandalf le Gris. Donnons-lui l'anneau sacré. Oh, cela pourrait être la fin du temps. Hey, moi, le pain. Toi, c'est Dumbledore. Est-ce que je suis bon? Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Je vais me faire agresser par trois vieux là. Explosion, boum, Michael Bay. Ah, les graphismes changent un peu. Hein. Bla bla bla. Bon, pour ceux qui savent pas, ce jeu, il est un peu particulier en fait. Ça va être du platforming. En fait, ça mélange plein de types de jeux différents et en fait, on va évoluer à travers le temps du jeu vidéo. Donc, on commence par du 2D tout pourrave là. Puis, on va arriver à la super 3D magnifique, trop bien avec des effets Michael Bay dans tous les sens.
Et là, on est dans Dofus. En 1950, les méchants sont arrivés, on a tué les mecs. Ah. Les blancs et les violets. C'est pas du tout la situation de la France actuelle, non? J'ai rien dit. Cut. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche, la ville de Genova se prépare à le célébrer. Ouais. Sauf que... Deux cyclopes et un mec avec une mèche rebelle nous ont attaqué. Non. C'est sympa. On a de la couleur maintenant. Réveillant douceur. Bonjour, point d'interrogation. Oui, je suis réveillé. Non, je me sens pas mieux. Ah, je suis roux. Ah, j'arrête ce jeu tout de suite. Non, je suis obligé. Non, je peux pas arrêter. Merde. T'es mieux en noir et blanc, hein. Enfin, en vert et blanc. Enfin, en vert et noir. Enfin, en moche, quoi. Moi, j'étais pas roux. Peut-être que tu devais faire un tour en forêt. Ça te fera recouvrir la mémoire. En fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Trois Petits Points. Bonjour, Trois Petits Points. Ah! Filma. Non, c'est nul, Filma. On va t'appeler... Non, on va pas faire les beaufs, on va pas l'appeler Beat, d'accord. On va l'appeler. Non, les idées, c'était une blague nulle. Ah, je sais. On va l'appeler moi. J'espère que tu vas vite te retrouver. Donc moi, dis... Ça me fait rire. Bonjour, moi. Ouais. Faudra que je change les contrôles. Ah, mais sinon, je peux jeter les flèches. Ah, vu qu'il n'y a pas de souris, on s'en fout. Alors oui, il y a bien 2 FPS, hein. C'est le jeu. Vu que c'est ancien, vous avez vu. C'est un vieux jeu, donc ça tourne à petit FPS. Alors j'ai vraiment un PC de merde. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Ok, on peut pas aller là-dedans. Bon, la musique est déjà mieux que la première, hein. On va pas se mentir. C'est bon, il pisse dans son champ. Non, c'est bon. Est-ce que je peux jeter une pièce? Ah, de l'argent pour manger un pain. S'il vous plaît. Inn. Inn, ça veut dire... auberge. Chaud? Ok. Un papy. C'est un papy maintenant. Il y a plus de 25 ans. On vient, on vient. Ah, on me poursuit. Non, je vais essayer. Vas-y. Mais vas-y, baise-la. C'est con, gosse. Attention, tes monstres envahissent la forêt depuis hier. Devenons très dangereux. Je te conseille de te procurer une arme avant d'y rendre.
pas dans ta tour au magasin. Ils en ont peut-être une pour te vendre. Je n'arrive pas à lire. Je suis Aldebaran, cheval de Arturo. Et c'est moi qui dis qui rentre et qui rentre pas. Et qui sort, je pense. Le magasin d'armes, c'est là. Comment ils se retrouvaient là? Putain. Mais comment ils se retrouvaient là? Oh putain, j'ai cru que c'était fermé là. Comment ça le con là. Cette musique est très reposante. Ah, c'est espace. Putain. Bref, la boutique trouve tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Sauf que, pour l'instant, je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire est débloquée par un éboulement. Faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant ça réouvre un cours. Oui, je sais. Encore un éboulement. Cela devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vendre la forêt? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au reste du village. Vous avez abandonné depuis que... Trois petits points. Je ne préfère pas parler pour ma main. Essayez de trouver le nouveau Paul, le vieux Paul. C'est lui qui a la clé. Attention, mais il n'est pas d'un genre commode, surtout quand on le dérange dans le péché. Ah, donc c'est le vieux en bas qui est en train de pêcher. Lui qui a plus de 25 ans. Bonjour, Paul. Quelle belle journée pour pêcher tranquille, loin des gens. Oui, c'est ma voix de Dieu. Je sais, je fais très bien, merci. Tu me rends un petit service en échange. Fais gaffe, le vieux, hein. Je sais que t'es sénile, mais abuse pas quand même. Ouais, fais gaffe, je t'ai l'œil. Hein. N01, les canapés. Mes canapés se sont emmêlés. Je ne sais plus laquelle va vous mettre. T'en as qu'une seule! Sous ma gueule! Donc là, une. J'ai pas de souris pour vous montrer. Donc non. Donc là, je réfléchis. Hein, parce que c'est très dur. La une. Apparemment, elle ne marche pas. La do. Elle ne marche pas. La 3. Moi, elle ne marche pas. La 5. Moi, bon, j'ai rien compris. C'est quoi les règles? Attends, la 1. Tac. Tac. La règle là. La 2. Tac. 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 1. 3. La 1. 4. Ah. Ok, c'est la 4. Merci. Tiens. Alors l'interface qui est pas du tout avec le style du jeu pour l'instant. Genre super flat design, trop beau, de la mort qui tue et puis les deux trucs pixelisés à côté, c'est magnifique. J'approuve. Approuve. Donc le nord-est. Sud-est, sud-est, est, 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 est. Est. Ah, l'est, c'est là-bas l'est. C'est vers les Arabes. Donc, est-ce qu'il y a une vieille maison ici? Salut? Ouais, ça doit être celle-là. Nickel! Je fais que d'appuyer sur entrée depuis tout à l'heure, alors que ça sert à rien, c'est espace le bouton. Attention, oui, il y a un trou! Oh, je peux pas tomber dedans, c'est nul. Ce vieux coffre tombe en miettes. Comme une république. Toi aussi, apprends la politique avec Evolam 2. Ah.
Ah, oh, le bruitage quand tu te blesses. Je tue des boules bleues. Ah, on peut casser les trucs maintenant. Bonjour, jeune demoiselle. Bon, allez vite, je change de jaune, ça me saoule. La musique est chiante. Donc je me rappelle vraiment plus rien de ce jeu. Hein. Juste que j'étais bloqué à une phase de shoot them up, mais bon, c'était en... C'est bon, hein, ça. C'est vraiment, on parle avec un noir, je crois. Enfin, un violet. Ah, c'est là. On a notre Zelda, là. Ah, nouvelle musique. Ah, j'avais raison de faire les lois de Latinos. Les voix de Latinos. Donnez-moi votre XP. Donne-moi ton argent. Viens là, socialote. Donne-moi ton argent. Rends-moi tes allocs. Bah, les buissons sont plus riches que les socialopes, hein. Comme toi, ils font tout, ils donnent tout. Hein. Tout c'est de l'argent. Oh, des pigeons. Des pigeons. Bon, c'est officiel, ça s'appelle les pigeons maintenant et pas des champignons. Ouais, ouais, tu veux faire la pigeon. Je sais pas pourquoi j'ai dit pigeon. Donne-moi ton XP. Laisse les papillons tranquilles. T'as rien fait, pauvre papillon. Moi, je me fais violer! Oh, par des pigeons et tout! Au secours! Au secours! Allez! C'est bon, il n'y a personne, hein, parfois. Salut, moi! Des pigeons, pas des champignons, les connes! Ah, tiens, si on t'en choisissait, hein! On va l'appeler lui. Non. Il a pas d'âme. Donc elle. Non, pas elle. Interface à l'ancienne. Elle. C'est un très joli nom. Alors, elle, que dirais-tu que j'ai juste à l'intérieur dans la forêt, là où mon père t'a découvert? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble? Je suis obligé. Bon. Tu es une sacrée tête de ville! Elle vient pas du coup? Ah bon, je suppose que je suis obligé de dire oui pour avancer. Moi à rejoindre les... Ah, c'est moi, j'ai, moi, rejoindre les... Non. Cette phrase n'a aucun sens. Ah là là, ils sont nuls. Du coup, je l'ai avalé là, elle est où? D'accord.
et tue les tentacules. Par exemple, c'est 11 là-bas. Les tentacules, ça peut venir. Tu pourras pas les tuer tout seul. Contre, avec mon aide, concentrant, tu vas pouvoir y arriver. Concentre-toi! Alors, si vous avez un problème dans la vie, les jeunes, c'est très simple, concentrez-vous. Oh, faut que je trouve. Ah. Oh, c'est cool ça. Tu vois, vraiment que j'étais là. Je suis juste à me concentrer, hein, c'est bon, c'est pas compliqué. Ouais, retourne dans ma poche. Ouais, retourne dans ma poche. Voilà. Je sais pas ce qu'elle fait. J'espère que ça fait du bien. Ah! Checkpoint! Fort bien. Si j'appuie sur la bonne touche, ça marchera mieux. Level up! Elle a atteint le niveau 2. Viens là, pigeon! Viens là, écureuil! Oh, ça va! Ah, mais c'est qui tire des noisettes en plus! De la vie, de la vie, de la vie! Donne-moi de la vie! Voilà! Merci! Oh putain! Oh putain! Ah, je sais! Concentre-toi! C'est énorme! Tiens, prends ça, mignon petit écureuil! Essaye de les aligner pour un joli coup. Ah, non, non. À l'attaque, moi! Pousse-roda! Ah, pousse-roda! Un coffre! Dans ce espace. Ouais, d'un jeu de bébé! Alors que ça colle. Merci pour cette information. Je sais pas du tout où il faut aller. On va essayer là. Non. Là, non. Ah là. Yes! Double kill. Non, caillou! Mais maintenant, ah, mais en fait, ils pètent les champignons, enfin les pigeons, c'est ça qui me fait mal. D'accord. Bon, ce passage était super utile, j'ai affronté un caillou. Ce jeu est génial. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la tête. Ma quatre à quel point là. Cachons-nous, ils ont là dans le jeu. Putain, on est super bien caché. Oh, ils vont y voir du feu. Ah, c'est les cyclopes. Salut, Plume. Chérie. Et si nous activons ce magie-lit, ben, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie de magie. C'est bien, magie-lit. Oh, j'aurais déjà vu un lion. Non, ouais, il a été brisé. Il nous faut l'énergie. Vous voyez comme ils sont méchants. Regarde son sourire, il y a au moins 4 pixels sur son sourire. C'est bien que c'est méchant. Bla bla bla. Il faut battre l'esprit de la forêt. On récupère la magie de magie vide. J'aurai bientôt ma revanche sur ce maudit humain. Elle, c'est terrible.
S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de t'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les en empêcher? Non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le gardien! Un pigeon géant! Il fait rien! Oh ben sympa! Une catastrophe! Si on laisse le gardien faire, il va s'attaquer à mon village! Il faut qu'on essaie de le rester avant qu'il ne tombe pas! Je parle vite parce que c'est d'urgence là! Oh merde, j'ai dit oui! Putain, mais... Je vais t'aider, mais ne pas te laisser! D'accord! Oh putain! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Non, 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 non. Je me battais, ce serait mieux. Ah, mais je suis chargé. Je peux me concentrer en marche. L'idée, ça va être d'être à distance, en fait, d'esquiver. Mais... Voilà, ça va être juste trois coups, ça va pas être compliqué. Si j'arrête pas. Débile. Ça part entièrement. Même si vous me lancez, ça marche. Ouh! Ah putain, mais faut que je mette dans l'alignement, pas dans la diagonale. Là, ça me plaît. J'ai pas la connaissance. C'est pas le c'est mon skill caché, tu vas rien comprendre. Oh putain, oh putain. Putain. Non seulement j'ai trouvé le rythme. Ah, c'était si bien parti. Voilà. Facile, facile. Premier coup. Ta-da-da-da. Level up. Trois petits points. Voilà, dialogue super utile. C'est de cela qu'il parlait, ce démon? À ton avis, Grognasse? Petit point, les inscriptions, blablabla, Lorelitsu. Quelle bande de cons. Lorelitsu de leur site Amet, c'est une phrase par défaut, en fait, que les, quand tu sais pas quoi mettre pour habiller un texte, en fait, sans rien dire. Alors, notamment les web designers, quand ils font un site web, quand ils veulent montrer à quoi ça va ressembler, ils mettent un texte. Pour faire genre, il y a du texte, mais en fait, ça se dit rien. Et du coup, ils mettent le lorem ipsum. Et donc, ce truc. Ça veut rien dire. Même en latin, ça veut rien dire. C'est juste débile. Ils sont cons. J'adore ces références. Il s'est allumé! Il t'a déjà allumé, connasse. Attends, c'est de moi que je parle, quand même. Docteur Who, selon ce que vous préférez, hein. Da, 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 da. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différent, moins détaillé. C'est vrai que c'est encore pire que... C'est moche. Non. Tu es toute seule.
mais c'est fou de ta gueule. Oh, mais t'es con, c'est pas compliqué. Bon, apparemment, on est passé au niveau suivant, entre guillemets. Donc on a retourné dans le temps, si je comprends bien, puisqu'on est sur des graphismes anciens. Donc a priori, ça va aller. Donc on va s'arrêter là, je pense, pour cette première partie. Oh, let's stop!